Avec ses petits decks 5 ses contrôles. Bienvenue. On va tenter. On peut partir avec Cornucopia. Je pense que j'ai envie de tester Cornucopia Control. Pourquoi? Parce que ça a l'air fun déjà. Parce qu'on a ça contre les decks ultra aggro comme ce qu'on vient de prendre. Qu'on a les cornucopées anciennes pour gagner beaucoup de points de vie. Et qu'on peut jouer plein de bonnes cartes. J'ai envie de tester ça. Là. Avec déchiqueté par le vide. La mana base donne des maux de tête. Je l'avoue. On a ce premier deck à tester. Et on en a un autre derrière. C'est le OTJ avec une mana base encore épurée. Qui joue vue de damnation. Et des cavernes. Alors là ça a l'air swag aussi. Hein. Deux decks ont l'air très très swag. Deux bonnes dingueries. Donc moi je commence par Cornucopia. La Cornucopée. Et on continuera avec Tarnation. Et on va voir si c'est tout simplement possible de jouer contrôle. Hein. Moi je peux. Et vous savez quoi? Si c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Voilà, si on nous dit joue contrôle, c'est pas possible. Oh non! Saffron Olive! Again! Ah mais c'est là, il est trop beau ce jeu. Allez! C'est parti. Rouge? Blanc? Noir? Rouge, blanc ou noir? Rouge, blanc ou noir? Ou vert? Rouge. Ça fait hélice d'éclair tour 2. Je suis sûr que Cornucopée c'est broken. On a envie de poser ça en première. Je suis vraiment sûr que ça c'est trop fort. Surtout en multiple. Surtout en x2. Surtout en x2, les amis. Aïe, aïe, aïe. Surtout avec Teferi. Oh my god. Oh my god. On fait Cornucopée. On cycle. Oh, surtout en x3. Je suis immortel. Je suis désolé de vous dire que je suis immortel. Il ne nous tuera jamais. Ça fait quoi? À chaque fois que je lance le premier sort d'un tour, je gagne autant qu'il y a de couleurs sur ce sort. Tous les tours. Immortel mais mort à 5 mana noir. Bon après il y a des removals dans ce deck quand même. Ah, mais on en a trop. Qu'est-ce que tu joues? Moi j'ai des cornucopées anciennes. Donc là, chaque sort que je joue chaque tour me rapporte. Cette hélice d'éclair fait 3 points de dégâts et me fait gagner beaucoup trop. On pourrait burn l'adversaire. Là on est immortel littéralement. Là, on est vraiment immortel. Ça peut pas bloquer. Même avec la combo, bah, on tue la bête et du coup, on... En fait, j'ai pas envie de lui donner les trésors trop tôt. Mais je vais peut-être finir par lui donner quand même les trésors, quoi. Contre
Je gagne 8. Je compte, je gagne 8. J'utilise des clairs, je gagne 11. On attend Atraxa, quoi. Atraxa, je gagne 16. C'est... Le deck contrôle comme on les aime, quoi. Commandement de Jix. Oh non. Je vais récupérer des bêtes dans son cimetière. Allez. Niv-Mizzet, je gagne 20, ouais. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça l'idée, quoi. L'idée, c'est que quand t'as des cornucopées et que tu pioches des cartes et que t'as des sorts qui s'enchaînent, normalement, tu meurs pas, quoi. On est loin. Je peux faire ça pour tuer les trésors, mais j'ai peut-être pas trop envie. Plus draw 2, gagner 8. On joue même pas Niv-Mizzet. Tu sais que le but n'est pas d'arriver à 100 points de vie mais de descendre avec ses contrôles. Trop de life. C'est ça, ouais, je sais, mais... Ah non, pas elle. Et elle est là. Faudrait l'exiler, quoi. Sinon, on prend quelques coups. C'est quoi 8 points de dégâts quand on est à 52 et qu'on gagne 8 par tour? Oh non, pas Sholdred. Ok. On tue comment on a Mirex? On va y aller à l'usure, quoi. On fait une urgente nécropsie. Non, on prend les points. Hein. On chill. C'est mon deck préféré, rien que pour l'artefact. Allez, on contre tout. Vas-y, on va tout contrer. Bon, et maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah voilà le kill. C'est vrai qu'on a mis sa fois 1 dans le deck. Bon, bah faut attendre. Faut attendre un bon permanent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faudrait qu'il nous fasse un truc sympa là.
On peut tuer Sheldred, mais on peut pas le copier en multiple, Sheldred. Copier des Mirex. Sinon, on copie Mirex. Sinon, on copie Mirex. Si je tue l'hydre, il va nous refaire une hydre. On peut copier la maisonnette. On a combien? On peut copier 1, 2. Copier 2 trucs. On peut faire 2 Mirex. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. On va juste tuer... On tue juste ça. Après, il faut juste piocher Atraxa, hein, sinon... On chill un peu. On est à 45. Alors on a le temps de voir venir. Ah ben voilà, Atraxa, je gagne 16. Ah c'est bien ça. On y arrive, on y arrive. On va prendre Atraxa, la guerre des Camilles, hélice d'éclair, explosion et land. ...61 points de dégâts. Oui, vas-y. Pioche. Pioche, mon ami. Non, on copie ça. C'est légendaire, ça. Mais c'est ça qu'on va copier. On va faire 4 ou 5 guerres des Camilles et puis on va gagner. Hein. Oh là là, tous ces landes, tous ces trésors. Est-ce qu'on va mourir? Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Exiler un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle. Allez! Allez, ok. Je gagne 20. Un petit 20 PV par spell. Ça. Allez, ça dégage. Hop. Bon, par contre, il peut payer il peut payer les mensonges, là. Il peut jouer un Outrageous Robbery à beaucoup. Tout à fait. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mana en face. 72 points de dégâts, 22 mana. Est-ce qu'il nous tue? 29 cartes en bibliothèque. Tu vas perdre toutes les copies sur le flip de saga. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, on copie cornu... Au point où on en est, on copie cornucopié. Hein. Et on attend la concession. Abondance, je crois que tu t'es trompé de Chan. t'écris pas aux bonnes personnes. Ouais, on vient de repérer ton infidélité de stream là. Et ouais, tu viens de te faire piéger là. Bon, combien on a de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En vrai, on a vraiment pas beaucoup de mana. Hein. On a que 10 mana. Il en faut 11 pour ça.
On a des basiques. Je crois qu'on a des basiques. Combo 49 live in one turn. Crazy. Ah ouais, ça, ça fait de... On a plus de... On a plus de basiques. Ah, on tue à ça sinon, ouais. Campagne d'imitation. Ça, ça bounce. Quatre cartes en main. Et il manque un mana pour faire ça à 3, c'est ça? 1, 2. Ouais, il manque un mana. Je vais gagner 20. Ouais, je vais gagner 20. On y arrive petit à petit. Et là, ceux qui n'ont pas suivi le stream, ils font... Quoi ? Mais comment tu fais pour jouer la carte 5 fois dans ton jeu ? Ouais, non, j'ai craqué le serveur. J'ai craqué le serveur de l'Early Access pour pouvoir mettre les cartes en plein d'exemplaires. Bon, comment... combien on a de... On n'a pas un petit commit memory là pour remélanger tout ça? Oh, le jardin de mycosynthèse qui copie la cornucopée. Hydrenorm incoming. Ouais. J'ai envie de te répondre. Ouais. Il est pas légendaire lui le, de l'autre côté là? Créature enchantement dragon esprit. On va copier ça. Lui en plus il renvoie des créatures dans des cartes dans ma main. Il a cornu copié. 21-21 21-21. It is time. Mirex. Je gagne 10. Elles sont combien? Elles sont 8 les cornucopées. Aïe 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 aïe. Et il aurait pu engager mes Mirex quand même. Atraxa plus 40 points de vie, ouais c'est ça. Chaque spell me rapporte 2 fois, 8 fois son coût en points de vie. Fallait Elix. Non, fallait... non, je voulais Elix pour gagner 2 et garder contre pour gagner plein, mais... Oui, dans votre main de cartes. Ok. On a surtout Okagachi x4 aussi. Et Okagachi, ça rigole 0 également, hein. Okagachi, c'est solide. Y a pas Aetherflux réservoir en big score, non. Je te compte, je gagne 16. Je te compte, je gagne 16.
Et tu joues tes sorts juste pour jouer tes sorts. Alors il peut sacrifier ça, piocher 23, mais du coup il perd à la meule. Si je bloque pas J-Trog, il perd à la meule. Donc bah j'encaisse juste les points quoi. On va juste encaisser et puis envoyer, envoyer un triple Okagachi quoi. Beuvras, je gagne 16. Le plaisir, la cornucopée du plaisir. Ouais, j'ai pas de land. Pourquoi je défausse pas du coup. Bon bah. Est-ce qu'il peut renvoyer des terrains? J'ai une carte non terrain. Il est obligé de me donner des spells en plus. L'horreur. Il est obligé de me donner des spells. Allez, donne les spells. Donne les spells. Donne les PV là. Donne les points de vie. Voilà. C'est... Ah, ok. Ah là, là, c'est pas la... C'est pas la bataille que vous voyez sur les autres streams, là. Ça se bat à coup de 23-23 et de finir les mensonges, de je gagne 28. Il va piocher 23. Il va le faire, les amis. Il va piocher 23. Allez, vas-y, go. T'as le droit de draw 23. N'hésitez pas à clipper les moments que vous préférez. Comme ça, je pourrais les reposter sur les réseaux également. Oh my god. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Alors, eh. Contrôle. Contrôle est viable. On a la réponse. On a la réponse. On sait maintenant que contrôle est viable. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il m'arrive, là? Bien sûr, mais Saffron Olive, il fait pas mal de vidéos. Saffron Olive, c'est celui qui gère le site MTG Goldfish. Donc, il fait beaucoup de vidéos. De vidéos. Et les Early Access, c'est des très bons moments où tu peux... Où tu peux poster... poster les vidéos et tout, donc... Bon. Tac, tac, tac. Elle a posté où, Amy? Dans Direct Challenge. Il est 21h. J'ai dit qu'entre 21h et... Entre 9h et 10h, j'ai dit que je me tenais disponible pour faire un peu de brawl. Donc on va peut-être partir sur des games de brawl dans quelques... Dans une petite demi-heure. Si bien sûr les gens sont dispo, quoi. Bois de l'eau. You're right. You're right. On est en plein désert. Il faut boire de l'eau. Le deck a l'air solide. Le deck a l'air... Je sais pas si c'est ultra solide, mais... ouais, tu gagnes des points de vie, quoi. La Lightning Helix, ta cornucopée, tu copies cornucopée. Le deck gagne des points de vie. Bah, je vais aller chercher un peu de... Je vais aller reprendre de l'eau. Allez, les joueurs d'aggro en PLS, là, ils veulent plus venir sur le ladder. Ils ont bien raison. Je sais pas si c'est le moment, mais tu avais quelques cartes à me donner pour mettre dans Slim Foot. Mais tu aurais quelques cartes à me donner pour mettre dans le Slim Foot. Mais... Alors d'un, c'est pas le moment. Et de deux, je comprends même pas ce que tu me dis. Alors, game number two. J'ai pas regardé cette main. Il y a du vert, ouais. Il y a du vert, il y a du blanc. On va dire blanc.
On a Lightning Helix et Lutte. Ah, là on peut dire noir. Blanc, noir, bleu, vert. Ah, sur il a rentré des casse artefacts. Après la game précédente. Là, le défaut, c'est que je peux... Ouais, je peux pas protéger mon Planeswalker. En fait, si je fais Tapland, je peux pas faire déchiqueter par le vide. C'est un peu embêtant s'il y a J-Trog. Il faut que je fasse déchiqueter par le vide tout de suite. Ah ouais, j'ai mal tapé ma mana. Fallait faire Mirex. Fallait faire Mirex d'abord, du coup. S'il y a J-Trog, je prends cher. Ouais, je prends cher sur J-Trog. Dommage. Fais mon lacet. Let's go. Du, 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 du. Oh, 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 oh. Chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un, vous piochez une carte. Et à chaque fois que je commets un crime, ça revient dans ma main. C'est l'idée, quoi. Donc c'est plutôt facile avec mon deck de commettre des crimes, en vrai. Hop, j'ai commis un crime. Ah, c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à avoir plusieurs cornucopées, je crois que c'est vraiment, vraiment... vraiment, vraiment oppressant, quoi. Même Tef commet des crimes. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pour ça qu'on l'avait mis aussi. C'est vrai, c'est vrai. On pourrait même mettre Wanderer dedans. Ah mais ça fait pas mal de points de vie. On s'envole un peu en termes de... En termes d'interaction. On va perdre Teferi probablement là. Si on contre un de ses sorts, on commet un crime. On peut pas. Ah, j'aurais dû cycler d'abord. J'aurais dû cycler. Cycler après Shouldred. Pas forcément le meilleur truc. Ok.
Oh, l'autotap est horrible par contre. Hein. L'autotap est assez affreux. On aimerait aller chercher une vrasse là, je pense. Ça donne envie un peu de faire le moins de TF. Cette séquence là. Je suis à 32, je vais gagner 2. Ah, je pense que le moins de TF est peut-être mieux que les autres options. On va tempo. On va tempo un tour. L'idée c'est de pouvoir, même si on fait une explosion à 2, peut-être rajouter quelque chose quoi. Quitte à prendre quelques points de plus. Je suis encore à 34. Essayer de... Je peux gagner 5 avec cette Lightning Helix en faisant genre 3 dégâts plus 2 de ça. Remonter ça, regagner 2 derrière. C'est vraiment un deck contrôle à l'ancienne. Je regarde un max de rediff sur YouTube. Je suis à deux doigts de casser mon Tivit pour faire Aminatou low cost. J'ai pas un budget énorme. Ah mais Red Shadow, ça fait plaisir à entendre. T'es où maintenant? T'es toujours à Toulouse ou Paris? T'es monté sur Paris, non? F commet des crimes, mais pas Vras. Ouais. Ah, La Rochelle, c'est vrai. La Rochelle. Oh, bah, j'avais retenu Paris, mais... Bien entendu. Oh, décidément. On va pas y arriver. Alors. 1. 2. 3. Ça remonte Sholdred. Ouais. Ah ouais, faut que je me remette à commettre des crimes avec la campagne là. Si je commets pas de crimes, ça. Je vais me faire grinder. 4, 5, 6, 7, 8, 9 mana. Après, je suis encore à 28. Est-ce que c'est une vraie tech en standard? Je joue en standard à l'heure actuelle. C'est une vraie question, je te réponds. Là, je suis en train de faire des parties de standard, tu vois. Je joue contre Golgari, alors c'est peut-être pas le tier 1 que tu t'attends à voir, mais... J'ai l'impression que ce deck est plutôt bien buildé et qu'il s'en sort, tu vois. Non, pas le poser, il joue. Il attendait que je commette un crime pour empêcher mon sort de remonter. Eh ben, on n'y arrivera pas. Je suis descendu à 22. Un Sholdred que je peux pas tuer avec une double hélix. Il va falloir une petite Atraxa. Ouais, je pense que la carte est très forte, ouais. Est-ce que c'est auto-win? Ben non, bien entendu que non. Mais
Et je pense que la carte est très forte. Chauve-souris. Bon là il voit que j'ai plus rien. Là il se rend compte que je suis en short en fait. Et qu'il faut que je pioche une bonne carte. Un peu mou. J'aurais dû tourner autour du Bozeiju. J'ai senti qu'il avait quelque chose pour tuer ma campagne d'intimidation. Et vu que campagne, c'est un peu la meilleure carte que j'ai à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais dû respecter ça. Bon, après là, il faut piocher... Dans tous les cas, il faut piocher un truc bien, quoi. Si je ne pioche pas un truc bien, je ne vais pas gagner. Y a mieux, y a moins bien. Y a mieux et y a moins bien. Ça fait 2, il faudrait que je fasse 5 derrière. Ça fait 4, 5, 6, 7. Je passe à 11, je prends 9. Ouais, je peux pas, je pense que je vais juste refaire une... Bon. Je peux gagner 6, 7, 8, 9. En 11, 16, je passe à 1, je fais hélice. Je suis encore en vie, sur une petite Atraxa, je peux gagner la game. Sur... je peux faire hélice sur la maisonnette aussi. Bon, dans tous les cas, fallait piocher un truc. Gigi. Ouais. La petite foule de land, là, j'ai pioché 2 fois explosion. Et il fallait... Après, j'ai fait un peu le kéké. J'ai pas pris la guerre des dragons Camille la première fois. J'ai préféré prendre campagne d'imitation, qui était très fort, en fait, campagne. C'est vraiment très bon. En fait, campagne, ça te permet d'avoir vraiment un flow de points de vie avec Cornucopée et puis ça te fait des cartes, quoi. Le fait que je me sois fait disenchant la campagne par un Bozeiju, c'était vraiment pas ouf. Alors que j'avais genre 2 fois plus de mana que mon adversaire pour opérer, c'est pas censé arriver que je puisse me faire avoir comme ça. J'étais pas très attentif. J'ai manqué de vigilance. Bah parfait. Mais ces manabas sont...
Ces manabas sont juste géniales. Bon, je dis ça, mais il manque du mana noir, mais bon. Urza ? Ça fait longtemps, ça. Il manque plus de mana noir. C'est bon, il manque plus de mana noir. On est bien. On est bien, bien, bien. Alors, hop, 2 mana, je détape ça, ça, et je peux faire ça. Et on va jouer avec Tef plus ça pour essayer de piocher des cartes, gagner des points de vie. Ça fait 3 PV déjà. Bon, de toute façon, ça a l'air d'être un match contrôle. Ça va être méga chill. Ça va être le chill. 1, 2. Ah, sinon on fait d'abord ça. On peut faire ça d'abord. Ouais, ça avec Teferi, ça fait gagner de la vie tous les tours. Ah oui, non, mais il faut qu'il ait un permanent. Ah, s'il a pas de... Ouais, je vais pas détaper ses landes non plus. Blanc bleu rien en face. Blanc bleu rien. Ouais, tu peux détaper des landes d'étape. Ah bah voilà. Il me donne des cibles. C'est parfait. Le plaisir. Quand tu cibles un des tiens... En fait, quand tu cibles un des siens, tu l'engages, ouais, je sais. Mais dans l'idée, je vais pas le faire si j'ai pas la nécessité de le faire, quoi. Là, ça semble pas ultra nécessaire de détaper ses landes. Peut-être je vais le faire là, maintenant, mais... On essaie d'analyser à quel moment ça devient pertinent de faire ça, quoi. Alors, juste pour remonter la campagne d'intimidation... Ouais, peut-être. Et si j'engage un de ces terrains, je détape pas un des miens, quoi.
Ça vaut peut-être le coup quand même. Ah, on a mis Rex. c'est long et douloureux. c'est long et douloureux. Est-ce qu'on est en train de gagner? Je ne sais pas. Je dirais que oui. Synthétiseur. Allez. Ça doit pas servir à grand chose contre toxique. Bah contre toxique, c'est un contrôle classique quoi. Après, au-delà du gain de points de vie, le truc c'est que ça te fait de la, ça te fait de la mana de la couleur de ton choix quoi. Allez, draw 2 par tour. Draw 2 par tour et je me détape tous les tours. J'accepte. Allons-y, ulti-tef. Normalement, ulti-tef, tu perds pas beaucoup. Ulti-tef, je crois que tu perds pas beaucoup. On va pouvoir se débarrasser du synthétiseur. À chaque fois qu'un artefact arrive sous votre contrôle, crée un jeton. Mais commettre des crimes, c'est tellement... C'est tellement... T'as tellement envie de commettre du crime. C'est vrai qu'il peut payer, ouais. C'est vrai que j'ai pas très bien joué ça. J'ai pas très bien joué ce crime, quoi. Un crime a été commis. 59. Nexus. Au début du combat pendant votre tour, vous pouvez exiler un artefact ou une créature de votre main. Et franchement, vas-y. Ah, vas-y, vas-y, pas. Vas-y, vas-y, pour le beau jeu. Est-ce que j'ai perdu? Attends, ça fait piocher aussi? Est-ce que j'ai raté? Piocher une carte? Puis vous pouvez exiler? J'avais même raté la ligne, piocher une carte. Mon drac. Et du coup, ça fait double token. Il y a de l'idée. Non, il se passe des trucs. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de points de vie, mais il se passe des trucs. Ah, double campagne. Ah, et ça met des points en plus, campagne, c'est ça le plus drôle. On est en train de le tuer à coup de campagne d'intimidation, quand même. Ça vient d'étape. c'est le plaisir, ce deck. Merci encore, Pony, pour l'abonnement offert à la commu. Merci à toi.
Faudrait peut-être se débarrasser de son truc là. En vrai, ça a l'air un peu trop fort son truc. Nexus of Becoming, il y a moyen que ce soit Nexus de conversion, il y a moyen que ce soit vraiment, vraiment, vraiment très fort. Tu commandes 2 points par tour. Parfois dans les bons jours 3. Ouais, c'est ça. Ah, on est bien. Hein. 80 à 8. Je veux dire, à quel moment on prend les points? C'est ça la vraie question, quoi. À quel moment... quel moment il nous tue, en fait. Parce que là, on dirait qu'on a que 80 points de vie. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est que tous les tours... On gagne à nouveau les points de vie, quoi. Ah, j'ai pas ciblé une de ces bêtes. Oh, je suis nul. Ouais, mais Mirex. Mirex, Cycling. Et go, hein. Sapions. Ah, il faut que je commette encore un crime pendant 5 fois et c'est bon. Nexus. Ah, ça c'est un crime, ça. Ça, je reconnais ça. Bon, j'avoue, c'est mou. C'est mou, du genou. C'est un style de jeu qui ne peut pas plaire à tout le monde. Bon, j'aime beaucoup. J'aime quand même beaucoup. Voilà, on va pas se mentir. Est-ce qu'on teste le deck Tarnation? Ça nous fait 2 petits decks. Allez, let's go. Je lance le petit live.